Ça fait déjà 20 minutes que je suis sur ce jeu et je commence à péter un câble. Il faut absolument que je le finisse. Bref. Ce qui m'énerve le plus dans ce jeu, c'est les parachutistes qui te tombent dessus. Non mais sérieux, comment vous faites pour traverser le plafond? Au moment où je me sentais un petit peu confiant, je balance ma liane et paf, j'atterris sur les pieds d'un mec. Cool. Je mets les pieds où je veux. Là, je me dis, autant faire comme dans les bons films d'action. Je reste en hauteur, je tire sur le premier, nickel. Le deuxième passe, il touche mon pied, je suis dead. Et c'est souvent dans la gueule. Au moment où je désespérais le plus, je finis enfin à arriver à mon objectif principal. Là, je tombe sur un gros gars, type Ruskov, et il me sort. Donc tu penses pouvoir détruire le système principal? Tu n'as aucune chance. Et moi, je lui réponds, oh que si. Et lui, il me rétorque. Oh que non. Et je lui dis, je me suis tapé ta femme hier soir. Là, il se fout de ma gueule. Il me sort. Mais bien sûr. Alors je lui réponds gentiment. Elle aime la glace parfum pistache vanille. Et son numéro de permis est le 08MH91644. Là, le big boss me sort. Fils de pute, je vais t'enculer. Le mec bien énervé, il appelle tous ses collègues. Il me saute dessus, je tire, je me fais le boss avec tous ses copains. Je cours tout droit, tout droit, tout droit. Et là, qu'est-ce qui m'arrive? Je me prends une balle derrière. Encore une fois. Il me restait une dernière vie. Je me dis, pourquoi ne pas aller à la plateforme en haut? Il y a l'air d'avoir personne. J'y vais. Tranquille un instant, puis un mec me tombe dessus. Et là, c'est game over. Pris d'une soudaine envie de meurtre, je décide de vendre ma NES avec le jeu qui va avec. Je regarde sur internet, on peut en tirer un bon prix. Donc, je décide d'aller au Necromania le plus proche de chez moi. Je prends ma bagnole, je dépose la NES par terre, je l'oublie et je l'écrase. Bref, je n'ai jamais terminé Bionic Commando et je pense que je le terminerai jamais.